Donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Roblox Doors, un jeu que je vais faire depuis déjà pas mal de temps sur la chaîne. J'ai beaucoup joué au jeu il y a quand même pas mal de temps, en 2022 je crois. Et donc j'avais envie d'y rejouer et de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Enfin je pense que vous connaissez, mais j'avais envie de faire une vidéo. Je sais pas pourquoi j'en ai jamais faite, parce que le jeu est vraiment cool. C'est un jeu d'horreur que j'aime beaucoup sur Roblox. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir un peu le type de gameplay. Mais franchement, c'est très très cool. Donc en gros, je vous explique quand même. En fait, c'est un hôtel. On arrive dans un hôtel et il y a en tout 100 portes. Notre objectif, c'est de passer les 100 portes. Et derrière les portes, il va y avoir des choses aléatoires qui vont nous arriver. Et donc du coup, donc avec des monstres, hein, c'est un jeu d'horreur. Et du coup, on va voir ce qui va nous arriver. Et l'objectif, c'est de survivre. Vous voyez les amis qu'il y a vraiment une ambiance dans ce jeu. En fait, on dirait pas Roblox. C'est ça que je trouve incroyable dans les jeux de Roblox, c'est que la plupart du temps, vous voyez, Roblox a l'image d'un jeu pour enfants. Et en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, impressionnant. Vous voyez, c'est beau. Graphiquement, c'est beau. Donc voilà. Bon, je connais quand même quelques monstres, donc c'est ce qui va faire que je pense qu'on va réussir à quand même bien survivre. C'est que je connais déjà c'est le, je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui court super vite là. Je sais qu'il faut se cacher dans les armoires. Et après les autres, je sais plus. Donc voilà, ça je sais que c'est un monstre. Voilà. Bon là du coup j'ai pas de lampe torche malheureusement, mais du coup voilà. Donc ça c'est le premier monstre, genre il crie. Et du coup on sait comment le contrer, donc il faut se mettre dans une armoire. Ok, ça a changé ça, avant il n'y avait pas des couloirs comme ça. C'est cool un peu qu'ils aient changé. Okay. Et aussi maintenant les portes elles s'ouvrent toutes seules. Ok. Ouais, c'est ça, là quoi. Là c'est cassé. Ok, vous voyez que les amis, c'est un jeu en fait où derrière chaque porte ça va changer. Donc là, du coup, j'ai ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si je dois continuer ou ça s'est ouvert. What? Là, les amis, je découvre hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Qu'est-ce que je vois? Je sais pas s'il y a un truc à faire. J'allais voir si le fait de tourner la manivelle ça a pas ouvert la porte. Je crois qu'on peut courir non sur le jeu. Bon je vais voir. Contrôle. Shift. C'est pas shift pour courir. Attendez, je crois que ça se passe mais je suis pas sûr. J'ai trouvé une bougie. Bon ça je m'en servirai quand il fera vraiment noir. Je sais plus comment on fait pour courir. Mais je crois qu'il y a un monstre comme ça où il faut réussir à courir. Je sais pas comment je vais faire. Bon, peut-être on court tout seul, je me souviens plus. On est déjà à la porte 10. Wesh, chef. C'est quoi ça? Ok. Y a rien. Ah c'est lui. Je savais pas si c'était lui ou pas. Ok. Ça sert à rien en fait à bouger. Je vois autant avec que sans. Bon. On continue. Ouais, c'est bizarre, normalement on peut courir. Hein. Je suis en train de faire des tests de touches au milieu du jeu. Oh, j'ai trop peur. Et c'est quoi ce truc? Attends, quoi? Il est là encore?
Oh, j'ai trop peur. C'est quoi ce truc? C'est nouveau, c'est un nouveau monstre, ça. 15 ou 16? Ben 16. J'ai peur. Wesh. Aïe, aïe. Wesh. Oh non. Ah, mais j'ai pas eu le temps de regarder autre part. Oh non, c'est vrai que... Voilà, il n'aime pas quand je le regarde. Ok, j'ai raté. Bon, les amis, la première game n'était pas très longue, donc on va repartir. Je vais rejouer, on va faire une deuxième petite partie, c'est parti. Ok, donc les amis, nous voici pour la deuxième partie. Hop, et on est arrivé. Bon, cette fois-ci, on va aller un peu plus vite, du coup. Je sais même pas qu'on pouvait appuyer. On va aller un peu plus vite, puisqu'on connaît déjà le début. Enfin, vous connaissez déjà le début. Même je vais ouvrir pour ça, pour les petites pièces. Donc voilà, donc les amis, le jeu c'est Doors sur Roblox. C'est gratuit, bien sûr, Roblox. Donc vous pouvez y jouer vraiment avec vos potes, c'est un peu plus drôle. Et voilà, c'est très très cool comme petit jeu. En plus, j'ai trouvé la clé. Clé de la porte 3. Déjà, j'ai une clé. C'est rare ça. Moi, celui qui me fait le plus peur, c'est celui qui court là, qui casse les lumières. Il fait très peur celui-ci. Je sais pas comment il s'appelle, mais. Non, je crois que j'ai raté un navire. Ah non, c'est pas un navire, c'est... je croyais que c'était un gros lingot. Ok. On peut pas voir le dehors. Je sais pas si on est dans les backrooms. Ok, il y a vraiment un mec qui est intoqué là. J'ai peur de recroiser le mec quand j'ai ouvert la porte parce que j'ai eu très peur. Donc maintenant, je me méfie à chaque fois. Ok. Moi, je me demande si dans le jeu on est dans les backrooms en fait. Ah, j'aime pas là, il y a plein de salles, j'ai peur qu'il y ait un mec. Regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de rester loin comme ça. Oh non, merde. Ah là, on voit un peu plus avec ça. Ok, je suis arrivé dans une nouvelle salle. Ah ok, ça c'est les tableaux. Donc du coup, hop. Faut juste mettre les tableaux au bon endroit. J'avoue, il y a du piano. Ce bruit là. Ok, nickel. Bon là, j'ai... Putain, comment j'ai peur qu'il y ait le mec là qui m'a attrapé. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il faut faire. Je crois que c'est juste un screamer gratuit en fait. Hein. Bon, on continue. Ah, j'ai trop peur les amis, je vous jure que je suis effrayé là. Le screamer, il m'a secoué. Ah. En vrai, j'espère au moins on arrive à la porte. Genre 50, en vrai, ça pourrait être cool. 50, j'avoue que c'est pas mal. 50, je me souviens qu'il y a un boss que j'arrivais pas à faire. Ah. Non, ça clignotait une fois. J'ai peur de retomber sur le screamer à la porte. Non! J'attendais pas arriver. Je reste un peu dans le truc parce que je sais que des fois il vient deux fois en fait. Genre il fait un aller-retour. Des fois il fait ça donc je me méfie quand même. On continue. Par 24. Ok. Ça c'est la même. Oh comment j'ai peur. C'est la même chose que. Ah voilà. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc c'est ça en fait qu'il faut tourner, si j'ai bien compris. Ah oui, voilà. En fait il faut juste trouver ça, ok. Ok. Une grande salle. Mais ça c'est pas la salle de... Attendez, je crois que j'ai une animation là. Et je sais pas comment on court. Je crois que c'est lui, le mec. Ok, pas du tout. Allume. Ok, pas du tout. J'ai cru que c'était le...
Le monstre qui nous court après. Ah, chef. Oh, il faut une clé. Ici, la clé. Ah, ouais. Nickel. Ok, bon, on avance, hein. Tranquillement. J'ai très peur, par contre, c'est fou. Ce jeu me met dans un stress. C'est horrible. J'allume un peu parce que là on voit rien. Ok. Non. Ah, je l'ai vu. Je l'avais vu en plus. Ah purée, on voit rien en plus là. Ah, je l'avais vu, j'ai eu trop peur. Clairement, j'ai bondi. J'ai bondi, pardon. What? Ah, mais je retourne en arrière. Voilà. 30. Ok, on est pour 30. J'ai eu très peur. Ok, donc maintenant je sais que quand il y a un mec qui chuchote, enfin qui dit psyte là, il faut pas le regarder. C'est lui là. C'est lui. J'ai entendu là. Vous l'avez entendu? Le psyte. Donc là je sais que il faut pas que je lève la cam. Bref, je sais pas où il est. J'ai bientôt plus de. C'est moi, il est plus le petit, ok. Wesh. Et je peux pas. Ça a clignoté, mais je peux pas. Je peux pas faire. Ok, en fait, parce qu'il arrive pas, ok. Il y a plein d'œils. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai très peur actuellement. C'est le monstre avec des. C'est le mec avec l'œil, non, du coup? Ah, je peux mettre de la vie avec des pincements, c'est nouveau ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est le monstre avec l'œil. Regardez les yeux. Et où est la clé? Il n'y a pas de clé en fait. J'espère qu'elle n'est pas là dans la chambre parce que j'ai pas envie de tout faire. Ouais, elle a l'air d'être les. Ah non, il reste encore 4 chambres. Ok, j'ai de la vie. Pour l'instant, tout va bien. Oula! Ah, c'est peut-être là la clé. Ah ouais. Nickel. J'ai très très peur de ce qu'il y a derrière la porte parce que là il y a des yeux énormes. Je sais pas si c'est le mec que j'ai regardé là tout à l'heure pour mourir. Wesh. Ouais, je crois que c'est ça. Alors je sais plus comment on court. Alors je sais pas si je me souviens plus si ça court tout seul ou pas. Je sais que c'est ça, regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement. Ouais, voilà. Ok, donc lui c'est le runner. Et il va y avoir une course poursuite. Mais je crois qu'il faut que je cours. Je suis pas sûr. Je serais pas dans mon rêve. Je sais que je sens qu'il est juste derrière là. Prendre un screamer. Ah, c'était sûr. Purée, je sais pas comment on court. Je sais pas comment on court. Je sais pas si je couvrais en fait ou si j'ai bien fait ou pas. On se revoit les amis. C'est pas grave du coup. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur Dor. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Nous on se trouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, ciao tout le monde.